Tu vas où? Bonne arrivée, papa. Tu vas où? Non, c'est maman qui m'a envoyé tout près là. Toujours c'est maman qui m'a envoyé tout près là. Et puis t'as te promener jusqu'à tu rentres la nuit, non? C'est maman qui m'a envoyé. Tu finis la commission et tu reviens. D'accord. Tu as compris? Ouais. Si t'as te prendre un compte, tu vas voir. Papa. Oui. Papa, attends, je voulais te voir. Oui. C'est-à-dire que notre boy là, Kébé. Ouais. Vraiment, il faut le renvoyer. Qu'est-ce qu'il a? Il faut renvoyer notre boy là. Il a fait quoi? Papa, quand il n'est pas là, tous les jours il crie sur nous, il nous insulte, on dirait ses enfants. Ça là, un jour il va nous porter main. Attends, donc quand je ne suis pas là, Kébé vous insulte. Il crie sur nous même, il nous insulte. Ça là, il faut le renvoyer. Okay. Lui, il se prend pour qui? D'accord, quand il va revenir, on va régler ça. Papa. Oui. C'est pas tout, hein. Comme je m'en vais au Carrefour là. Oui. Pour me donner un peu d'argent, je vais acheter une boîte de cuidans là. Quel cuidans? Le paquet là, boîte là. Je vais acheter aussi pour venir en même temps. Hier, j'ai acheté deux boîtes, non? Deux boîtes d'hier, là. Oui. Ça, c'est fini. C'est fini. Je vais acheter l'autre encore pour venir. Attends, qu'est-ce que vous faites avec les cure-dents là-même? Non, pour hier, là, c'est fini. Ça, là... Mais j'ai acheté deux boîtes de cure-dents hier. Dans une boîte, il y a au moins 100 cure-dents. Et les 200 cure-dents, là, tout est fini hier. Faut demander ton Kébé, là. Ça veut dire que c'est lui. Attends, cure-dents, là, vous mangez, waouh! Vous faites quoi avec ça? Non, hein? Non, on ne mange pas. On peut. Quand même. Hein, voisin. Oui. C'est les enfants encore, non? Oui, les mêmes enfants. C'est qu'il me montre chez moi ici là. Moi, je suis déjà mort, il reste à m'enterrer. Oh. Hier nuit, mon fils l'a mis là. Il a pris mon CD d'arra comme ça pour pisser on a pris dedans. Oh. Ce matin, je l'ai surpris. Il a pris ma pâte, pâte qu'on se brosse avec là, pour mettre dans le pain, pour manger. Je demande, il y a quoi fait le thé, wa? Il y a quoi qui manque? Il dit non. C'est à cause du, comment on appelle ça, le goût, le goût, ouais c'est ça, le goût arôme là, qu'est-ce que ça qui lui plaît? Oh. Faut voir des enfants comme ça. Mais j'ai dit voisin, hein? Tes enfants là sont mieux que les miens. Mais toi au moins ses pâtes, il a mis dans pain, il a mangé pâtes là, ça rentre dans la bouche, ça fait rien. Mais lui là, lui c'est cure-dents en propre enlevé dans les dents là, c'est là il mange ça et puis il boit l'eau. Ah, oh, oh, oh. Quand même si on dit tu es bête, quand même. Danse. Danse, c'est toi qui insultes mes enfants et ma femme ici, non? C'est quand un Pécassis, chef Bata, qui a dit ça? Moi, j'ai insulté qui ici? Ah, papa, moi, je t'ai insulté. Ah, papa, tu as vu, non? Attends, donc, c'est que tu les insultes vraiment? Voilà, non, mais tu viens de l'insulter? Je parle, mais je n'insulte pas. Ah, c'est moi. Quand j'ai dit, tu as chien, là, je t'ai insulté. Bon, on laisse tout ça, là. Les cure-dents que j'ai achetés hier, là, qu'est-ce que tu as fait avec? Hier, j'ai acheté deux poids de cure-dents, là. Ouais, j'ai vu. Ça y est, où? Ah, tu as mis ainsi des tabales? Oui, mais vous, ça y est. On comment? J'achète deux boîtes de cure-dents, je dépose ça sur la table. Aujourd'hui, c'est fini, je dois l'acheter encore. Ouais, c'est pas moi, voilà, c'est pas moi. C'est toi. Je ne vous comprends pas. C'est fini. C'est fini, les deux boîtes là, c'est fini. Deux. Et il me demande l'argent pour l'acheter d'autres encore. C'est là, là, c'est vous. C'est vous. Sinon, voilà, si c'est à cause de moi, c'est là. Un seul boîte, ça peut faire deux, trois, quatre, non, ça ne finit pas. Tu es malade. C'est moi, j'ai dit tu ça. Tu es malade. On parle de cure-dents, cure-dents qu'on peut m'enlever dans les dents là. Comment une boîte peut faire deux ans? Patron, c'est moi j'ai dit ça. Un boîte là, on peut garder jusqu'à ça va durer. C'est celle-là. Tu as fait comment? Ça là, si c'est moi là. Parce que moi, avant, quand j'étais à travailler chez le patron là, bon, un jour il a passé et puis il a renvoyé moi. Bon, j'ai laissé pour moi à produire. Bon, après, il y a l'autre femme là. Comment on s'appelle lui-même? Femme claire. Tu peux parler sans me toucher. Voilà, donc, bon, ça m'a j'ai travaillé là-bas. Bon, après, j'ai dit, une boîte de cure-dents, deux ans là, tu vas faire comment? Là, c'est où tu travaillais et puis on t'a renvoyé tout ça là, ça c'est pas mon affaire. Cure-dents, mais que tu es en bas là. Ouais, ouais. Moi, j'utilise. Oui. La vérité, c'est bon, j'utilise. Voilà pourquoi ça finit. Mais quand j'utilise là, oui. Façon, moi, j'ai fait là, si tout le monde fait ça, voilà, ça peut pas finir. Quand j'ai fini de manger, qu'il y a les viandes, il y a les duris qui est dans mon dent là, hein, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, bon. Oui. Donc, je fais ça. Je nettoie. Bon, quand j'ai fini de nettoyer, j'ai mis ça dans la boîte là. Si tout le monde il fait ça, tout le monde est mis dans la boîte là, ça va finir comment? Hein? Quand tu finis, tu remets dans la même boîte. Voilà. Dans une qui dedans là, tu peux utiliser deux fois, trois fois, quatre fois. Ça ne peut pas finir. Mais quand ça là est fini, ils jettent ça dans la kibelle. Est-ce que ça va pas finir? Je comprends maintenant pourquoi tout le monde tombe malade à la maison là. C'est ça même, c'est ça. C'est toi qui fais.
Mais comment tu peux prendre les cuillères là? Tu nettoies tes conneries dedans là. Tes dents jaunes jaunes là, tu nettoies ça, tu finis, tu remets dans la boîte encore, puis nous on utilise ça. Oh my god. Kébé, je ne veux plus te garder ici. Retourne d'où tu es venu là, retourne comme ça. Voilà, merci papa, vous le renvoyez. Tu ne travailles plus ici encore. Tu nous rends malade. C'est pas moi, c'est toi qui m'as demandé comment j'ai fait, non? J'ai dit, retourne, va d'où tu es venu là, on n'a plus besoin de toi dans notre maison. Non, il y a sauce là. Oui. J'étais là, quand j'étais là, mais la veille, tu disais que c'est pas doux. De toute façon, vraiment, ça c'est mon faute. Ça fait noir que tu as dit, on a qu'à laver les choses avec ça là. Ouais. C'est ça qui a tombé dans sauce là. Je n'ai pas pu te vraiment, pardon. Comme hier, tu as vite dormi là, c'est à cause de ça, je n'ai pas demandé. Pardon quoi. Non! Ça, on est renvoyé moi encore comme ça. Et toutes ces mêmes choses là. Pactol Production Office de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise, présente Alain Kabangu, les descendants spirituels des Kabongo Mbaya, dans deux albums chrétiens chantés en Tchuluba et en Lingala. Zambi Moumania, Kalenga Moumanie, Zambi Moukoumania Wewa. Pour la nouvelle étoile montante de la chanson chrétienne, Alain Kabangu, Nzambi Moumania et Ami Intime. Déjà dans les bacs, Nzambi Moumania et Ami Intime, deux albums disponibles en CD et DVD chez tous les disquaires de la place, dans le supermarché et chez kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes de Apple, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Alain Kabangu, l'espoir de la chanson chrétienne en langue nationale Tchuluba. Alain Kabangu, c'est une valeur sûre de la musique chrétienne congolaise. Sur ça, tout le monde est d'accord. Alain Kabangu, dans Ami Intime, avec des titres comme Mambou. Ami Intime, Yaya Yesu. Ebele ya batu ba ya kiko yo kalilo ba ya Yesuwe basusu ba uta uta na bango misika ah ah basusu ba tala misika ba uta te papa ba ya ka epana Yesu kozuwa lo bi kwase ko bazanga mabala bazuwa kama bala bazanga kobota bazuwa bana na komona Yesu masia Mpikudi. Mpikudi wai, mpikudi kunde kedito mema. Ha, mpikudi kunde kedito mema. Hey, hey, balusini mwana weba uwa kafila. Ha, balusini mwana weba uwa. Mwindia. Na shabi waja, na shabi wana, na shabi walo ata vya shera. Kuiwenza vya Zambi, ujumufa mwanetu. Kwa majina nga munde mweba, wali tu kujala mwana wa Nzambi, akupeta biakana. Kusambila. Hey kusambila, kusambila, mwipa. Bana ba Nzambi, kusambila, kusambila, mwipa. Bene Kristo, kusambila, kusambila, mwipa. Chinji ngikala, bobo lupa kusambila. Kusambile yeye muiki mujalama utono mukusambila Adonai natambuli kumbona yo kumbona yo
Mani Remix. Alain Kabangou, les nouveaux poulains de la maison Pactol Office, Pactol Production. Il y a vie. Il y a vie courante, mais nous vivons dans mon pays. Bien que ça n'a pas Nzambi, mais ça y a vie. Et dans Nzambi Moumania, avec des titres comme La Kisanga Inzela. La Kisanga Inzela, la Landa, eh. La Belanga Inzela, la Landa, oh Jésus. Zambé Loba, Yomoko Loba, La Kisanga Inzela, ya Loba. Passeur évangéliste René Tchoubou Gisasi, la Xaba te connaît la Esmasi. Zambé Loba, Yomoko Loba, la Kisanga, c'est la Lobiko. Yusuna Baye Kulinae, Atuna Kibango, Boniba Mokiliba Kolobanazana. Alléluia. Bulobambwa makenga, bulobambwa makenga, ah. Munda mo buloba, mudi binvini banyeni, ah. Munda mo buloba, mudi tusonda bana betu, ah. Ujumuguna nganganyi, wakuleja jina, aleluya. Uvumuna nganganyi, wandeja jina, ah. Aleluya, 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 Zambi. Nani wakwamba? Nani wakwamba nyufa we wakufa na shonga kena kuto udini di ya kwamba weba. Nani wakwele mula wende kukwenza la wawalu na shaka kweba kena kuto pikala ya swanyi kayu mkwele mula wo. Udi umbushe biju kujala utone mushinga bakena mushinga juto mushinga kumaka pesha imode kai sentedi. Mwena lukuna weba Lekele kwele kwe wante keluba moyo weba Kakukumba na jama kanda Yesu. Chilumbu chani. Chilumbu chani ni baba kuloba anuzambi kuwakosa. Chilumbu chaku tanta kwanyi anuzambi kuwakosa. Chilumbu chaku ne mane kulela anuzambi kuwakosa. Apara zambi wa mujulu kakwena zambi mukobuto. Apara Yesu wa mbuta kakwena zambi mukobuto. Yo 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 Loba na bomo inangai Ngasa manyi Na yoka achiluba teme Kabangu wazobeta Na komo ningisa mutu Ondire mutu wa loba achiluba Ondire na yoka achiluba Mizike zobeto zoke lengyo zo rule Do mikolo boko mwona ndo yende Mingi bakri mingi boko yoko na banzembo na ye Bao boyebi si bazwa zwa na kati Meboye bake uta kipa na ye Alain Kabangou. Alain Kabangou, les descendants spirituels des Kabongombaya. Distribution exclusive Kazarema. Fafaneba, Shinoani, Dindisaneba, Kaimawani, Fafaneba, Shinoani, Dindisaneba. Merci le socle, Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. Keba Okozwa Tijengu. Soki osombite, achetez l'original pour la rebattre la kimia. Après de la souffrance au pouvoir, de l'album Amour Full Lova, la sœur évangéliste Beyoutiel revient sur le marché du disque et chante avec sa voix angélique Bazoa Zéro. Et oui,
veut dire Satan na batonaye, ba jaloux, na banguna na yo, ba zwa zéro. Libungu Toulou. Un nouvel album chrétien succulent de 10 titres, signé Payou Ciel. Sous le label Pactol Production Office de Lolo Mutima, le socle de la production congolaise. Bakamate Sifuru, Bokuba Kankatu, Bazwa Zero, disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place, dans le supermarché et chez Kazarema.com. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Bangadra Tijen, Bakozwa Zero. Un album anthologique fait avec amour, avec la musique de la cour des grands, à posséder absolument. Soki Osombité, Ozui Zero. Distribution exclusive Kazarema. Une production Pactol Production Office. Merci Beyou Ciel Lova. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment. Ponamite Mamabe. Bazui zéro. P basala. Fouin fouin na fouin fouin. Pactol d'Afrique. Sous son label Pactol Production de Lolo Mutima, le socle de la production congolaise, présente la sœur Sarambouyi Mishika dans Yesu Moninga Malamu. Un album chrétien fait pour glorifier notre Seigneur. Bientôt dans les bacs. Disponible en CD et DVD chez tous les bons disquaires de la place, dans le supermarché et chez Kazarema.com. Distribution exclusive en Afrique, Greco Music, au marché central de Kinshasa. En téléchargement sous MP3 sur plus de 200 sites spécialisés de vente en ligne comme iTunes, Fnac, Virgin Megastore, Napster et tant d'autres. Yesu Moninga Malamu. Il faut l'écouter pour connaître la place du Seigneur dans votre vie. La sœur Sarambouyi Mishika Upite, une véritable chante de l'Éternel, avec une voix pénétrante. Yesu Moninga Malamu, l'album de vos prières, l'album de vos adorations, l'album de vos louanges. Découvrez Sarambouyi Mishika Upite, sœur en Christ, chante de l'Éternel, artiste chrétienne. Yesu Moninga Malamu, avec des titres comme Tu la yo.
Bongina lokumu Yesu Masia Zambe na bazambe yo zali zambe na nguya mama na yo kolo. Merci les socles lolo mutima le cœur le producteur du moment Yesu alingi yo moninga nanga yo pelinga ye pona bomoyo na yo seko na seko amen. Ibanga bato babo